Yo la mif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo tant attendue des maillots mystères. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, tout simplement, j'avais quelques détails à peaufiner pour cette vidéo. Donc, je vous parle un peu du futur et après, je vous laisserai avec le moi du passé découvrir ces maillots. Mais en attendant, grâce à ça, je vous ai fait croquer un petit code promo sur le site des maillots mystères. Voilà, le lien du site sera en description avec le code pour moins 10% drops 10 DROPSS en majuscule. Voilà, 10. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Si vous voulez un maillot authentique, pas cher, mystère, c'est voilà. Il y a que du positif, vraiment. Il y a que du positif pour 40 euros. Bah voilà, ça sera l'occasion de vous faire plaisir à un petit peu moindre prix. Sinon, lien de la chaîne Twitch et de la chaîne YouTube du fabuleux monteur Alto. Voilà, allez checker sa chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis ça lui ferait extrêmement plaisir. Voilà, donner de la force, un petit follow, un petit commentaire, un petit like, un petit follow sur Twitch, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis, que dire de plus aussi, forcément, tirage au sort du gagnant du maillot mystère que je vous fais gagner, que je vous avais dit que je vous ferais gagner, pas sur Twitter, mais sur Twitch, le jeudi 4 février à 20h. Moi, j'espère que vous serez au rendez-vous, tout simplement. J'espère que vous serez au rendez-vous. Le lien aussi de ma chaîne Twitch, voilà, qui est en description. Et voilà, tout simplement, je vous laisse avec le moi du passé, pas du futur, mais du passé, découvrir ces fabuleux maillots. Moi, je vous fais des bisous. C'était Drops. À la prochaine. Ciao la mif! Ah oui, et aussi j'avais aussi peut-être oublié, s'il y a un petit problème son et lumineux, luminaire ou luminosité, je ne sais pas comment on dit, c'est malheureusement parce que j'ai tourné cette vidéo avec une GoPro. Et en termes de son, c'est pas foufou. Et en termes de luminosité, bah je sais pas ce qu'elle a fait, mais la lumière, c'est pas trop ça. Donc voilà, je suis désolé. Ça a été tourné en même temps que l'autre vidéo. J'espère qu'on arrivera à rattraper les détails. Et puis voilà, des bisous et puis bon visionnage, hein. Bon voilà, ces trois maillots sont comment ça s'appelle, du site Maillot Mystère. Voilà, tout simplement, Maillot Mystère, Joueur Mystère, je sais plus. Joueur Maillot Mystère, Joueur Mystère, Maillot Mystère, Maillot Mystère, je suis un ouf, Maillot Mystère. Ces maillots, voilà, sont disponibles sur le site du Maillot Mystère. Voilà, tout simplement, prix à 40 euros. Voilà, parce que voilà, j'ai préféré changer, puisque l'autre avait augmenté le prix. Alors frérot, à un moment donné, c'est bon, voilà. Je sais que la vidéo a percé, elle a fait 500 vues, mais quand même, on augmente pas le prix, mon cousin. Donc du coup, on est avec les maillots mystères, c'est vraiment exceptionnel. On va ouvrir le premier, ça va être... Oh, j'ai hâte de découvrir ce que ça va être. Allez. Donc voilà, on est passé par le maillot mystère. Toujours, voilà, c'est un autre site sur lequel je suis passé parce que voilà, 40 euros, voilà, ils ont, c'est tout simplement un maillot. Ça sera que des maillots officiels, sera que des maillots surtout également des maillots pas rétro, juste des maillots, voilà, de, à dire peut-être ça remonte un petit peu genre 2015 et tout, mais ce sera pas des maillots rétro du style de Zidane ou Bergkamp comme vous avez vu dans les autres vidéos. Voilà. Bon, les gars, on va l'ouvrir sans plus attendre, ce maillot-là. Oh là là, mec. Pourquoi je ne sais pas ouvrir? Je suis un cotorette, bon. Je suis un cotorette, je ne sais pas ouvrir, putain. Ah là, c'est bon. Est-ce que vous le regardez avant moi? Bien sûr, vous allez le regarder avant moi. Est-ce qu'il est incroyable? Est-ce qu'il est monstrueux? Je ne vois pas. Je vois pas, je sais pas. Oh! Ne serait-ce pas Bayer Leverkusen, ça, par hasard. Oh! Oh, j'apprécie. Oh! Oh, il est beau. Ah, oh, oui. Oh, maillot du Bayer Leverkusen. Donc, du coup, c'est pas floqué. Mais il est vraiment beau. Franchement, j'ai pas... Non, il est... On valide. J'apprécie, putain. Oh! Ah ouais, il est beau! Vache, maillot du Bayer Leverkusen. Bon, c'est pas un club, voilà. Je préfère Dortmund, mais ça reste comme Bayer Leverkusen. Non, il est beau, les gars. Non, en vrai, il est...
On note combien sur 20 ce maillot? Moi, je dirais un petit 15. Franchement, un petit 15. Jaco, je ne savais pas si ils n'ont pas un sponsor très connu. Je trouve que ça doit être un sponsor allemand. Mais vraiment, oh, il est beau en fait. Ah ouais! Ah oh, la vache! Ah oh, il est appréciable. Ah oh, et au visuel là, il est. Oh là 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 là! Il est incroyable. Incroyable. On va faire le styliste après. Bon allez, deuxième maillot, sans plus tarder. Oh, ça va être. Oh, c'est incroyable, je suis hype. Franchement, vraiment le premier. Bayer Leverkusen, ça m'a fait plaisir. Franchement, j'ai grave kiffé. On va essayer de. Ah, j'aimerais bien aller dans les destinations vraiment pas très très connues. Même si Bayer Leverkusen, je pense qu'en vrai, en France, dites-moi si vous avez un maillot du Bayer Leverkusen. En vrai, ça m'intéresserait de savoir s'il y a vraiment des gens qui ont un maillot du Bayer Leverkusen. Moi, ça serait. Moi, c'est stylé. Moi, j'apprécie vraiment voilà, avoir des maillots que personne n'a. Et je l'ai déjà répété, mais voilà, je me répète, je deviens vieux, on a 21 ans. T'as l'impression que j'en ai 48, alors pas du tout, je parle comme un vieux. Alors, on va l'ouvrir ensemble celui-là, on va le regarder. Voilà, c'est parti, les gars. Oh, j'ai eu peur! Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un maillot de City. C'est presque un maillot de City, mais j'ai eu peur quand même. Oh la vache, j'ai eu la goutte de sueur. Maillot de New York City! Maillot de New York City! Oh, c'est. Oh! Bah, ouais, c'est un maillot de New York City, même si c'est pas Manchester City. Voilà, même si, en vrai, le maillot de City, en vrai, il aurait été stylé. Même si je n'aurais pas. Voilà, j'aurais pas porté dans mon cœur plus que ça parce que Liverpool a jamais. Même New York City. Oh, il est beau, il est beau. Voilà. J'aime bien. Ça, c'est un maillot qu'on dit vraiment plutôt de type voilà exotique. Voilà, on dit le terme. Voilà, on a allumé la lumière parce que pour que vous voyez un petit peu plus. Non, c'est vraiment un maillot. C'est un maillot incroyable. C'est un maillot incroyable en fait. Non, les gars, il est beau! Il est beau, maillot de New York City. Je vous avoue, j'ai eu une petite frayeur quand j'ai vu le bleu, là. J'ai vu City, j'étais en mode. Non. J'ai dit Manchester United, mais. Genre, t'as compris, j'aimais Liverpool, frérot. Mais là, ça va. New York City, donc même si c'est parti de la filiale de Manchester City, c'est. Non, j'aime bien le maillot. J'apprécie le maillot. En plus, on ne voyait pas, mais. Attendez, là il y a les maillots, il y a les noms des quartiers à New York. Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens et State Island. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, vous voyez pas là, mais en vrai il est. Oh, il est frais. Oh, en vrai, il est frais de ouf. Oh, je le valide. Oh. Les gars, voilà, vous connaissez. Lâchez un like si vous appréciez. Lâchez votre meilleur abonnement si vous appréciez. Voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous, ça mange pas de pain. Ça soutient. Voilà, c'est gratuit. Et puis, ça fait une bonne action. Est-ce que tu as fait ta bonne action du jour? Peut-être pas. Donc, hésite pas. Ça me ferait plaisir. Et voilà, c'est pas néfaste. Il n'y a rien de néfaste. Et puis, si le contenu ne te plaît pas par la suite, tu pourras te désabonner, bien évidemment. On continue. Le dernier, il est. Il est tant attendu, je sais pas ce que ça va être. Ça. Oh là 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 là, je sais pas ce que ça va être, les gars. Je suis fou. Là, je suis fou. Vraiment, j'ai. Oh là 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 là, je sais pas. Je sais pas. Un petit maillot espagnol. J'ai pas de maillot de club. Ah si, j'ai un maillot de Valence. Ouais, mais ça compte pas. Ça compte pas. Maillot de Valence, c'est pas un maillot. C'est pas un vrai maillot. Non, j'ai pas de maillot de Ligue 1. J'ai pas de maillot de club de Ligue 1. J'ai pas de maillot de club de Ligue 1. Bon, après, j'ai même pas de maillot de Lille! Oh, je suis une merde! Alors, faites-moi vibrer, les copains. Sur ce dernier maillot, vous allez regarder avant moi. Vous allez voir ce que ça va être. Oh là 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 là! Oh là là! Allez! Je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que c'est. Dis-moi, c'est pas. Ça. C'est un maillot de quoi ça? Ça c'est Newcastle ça. Newcastle! Oh! Oh! Ah, ça j'aime. Ah, j'aime trop les maillots! J'aime trop les maillots avec le. Comment ça s'appelle? Avec le sponsor là, le. Merde, l'équipementier. Oh, j'aime trop le maillot! Comme genre avec les maillots, avec l'équipementier au-dessus du logo. Oh, je trouve stylé de ouf!
Oh, il est beau! Oh, Newcastle! Oh, ouais! Oh, la vache! Ah, j'apprécie! Bon, après, le meilleur joueur passé à Newcastle. Non, je rigole. Je vais pas les tailler, les pauvres. Je vais pas les tailler. J'allais dire, le meilleur joueur passé à Newcastle, ça reste quand même Ben Arfa. Non, ils ont un meilleur palmarès que ça, Newcastle. Ils ont quand même le grand Alan Shearer. Donc, je crois. Il me semble, hein. Attends, je suis une merde ou pas? Bah, regardez. Instant culture en même temps avec nous. Il y a quand même le meilleur buteur de l'histoire de Première Ligue qui est passé à Newcastle, on est d'accord. Monsieur Shearer, tu veux pas? Tu veux pas te noter. Shearer, s'il te plaît. Ah ouais, je suis con, moi, j'ai pas mis Internet. Monsieur Alan Shearer, s'il te plaît. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver, t'es. Monsieur Alan Shearer, ni à Newcastle. Ah, il a joué à Newcastle, on est d'accord. Oh là 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 là, voilà, la culture foot, elle est là. La culture foot, messieurs dames. Voilà, on a le maillot. Bon, c'est pas Floqué Shearer, du coup, mais ah, il est beau. Il est. Non, j'apprécie. Il est fort agréable. Peut-être le maillot de logo chinois, là. Peut-être ça qui flingue le maillot. Mais, en vrai, il est beau. Non, je suis satisfait, je suis vraiment, je suis heureux, j'apprécie. Voilà, j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Je viens de me prendre quand même, je me suis fait attaquer par voilà, dans la gueule. Je me suis fait attaquer par ça, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Commenter quoi? Commenter. Shearer supérieur à Rooney, voilà. Oh, on va le dire. Shearer supérieur à Rooney. Si vous êtes resté à la fin, jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous fais des bisous et puis voilà. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on a eu des maillots vraiment des maillots que personne. Moi, j'aurais jamais acheté par exemple un maillot de Newcastle. J'aurais jamais acheté un maillot de Bayer Leverkusen ou encore de New York City. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir ce type de maillot. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à commenter, surtout si tu es resté jusqu'à la fin, balance-moi cette description Twitch. Voilà, balance-moi cette description Twitch. Je te ferai gagner un maillot. Voilà, ce sera un maillot, un concours sur Twitch. Je ferai un tirage au sort le mardi. Voilà, le mardi à 20h, mardi 2 février à 20h, le temps que cette vidéo sorte et que je vous publie tout ça. Mardi 2 février, ça devrait être bon. Et puis voilà, je ne sais pas. N'hésite pas à, voilà, à aller t'abonner en description sur Twitch, à follow pour être tenu informé de quand le live sera lancé. Et puis pour cela, moi je fais des bisous. Je vous dis à très très vite. C'était Drops. Ciao la mif. Et voilà la mif, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir, même si c'est une vidéo plutôt coûteuse. Voilà, même si je le fais par plaisir plus qu'autre chose, puisque c'est ma passion, les maillots de foot. Non, ça me ferait énormément de soutien, surtout que tu lâches ton like, que tu t'abonnes après ça. Parce que voilà, même si. Mais moi, je vais pas vous mentir. Hein, ça me rapporte beaucoup moins. Que ce que j'ai dépensé, bien évidemment, ça ne me rapporte rien. Et j'ai dépensé l'équivalent de, je sais plus, 150 balles, mais on s'en fout, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir des maillots en bon état, tout simplement, et très très beau. Voilà, oh, c'est magnifique, vraiment. Je reste sur le maillot de Newcastle, même si les autres sont très très beaux, comme celui de New York City. Voilà, en commentaire, voilà, pour dire que tu es resté jusqu'à la fin. Mais que David Villa est le boss. Voilà, David Villa le boss parce qu'il a, il a joué à New York City, mais avant tout, il a joué pour l'Espagne, pour le FC Barcelone, donc c'est le boss. Mets-le en commentaire si tu es resté jusqu'à la fin. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Lien concours, bien évidemment, j'avais oublié le concours, les gars. Concours sur Twitch le mardi 2 février à 20h. Logiquement, voilà, je vous ferai gagner tout simplement. Un maillot mystère. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Je vous fais des bisous. C'était Drops. Ciao!